un exploit extraordinaire. C'est un aboutissement de nombreuses années de tentatives pour atteindre ce sommet en hiver. Donc, c'est pas une page qui se tourne, c'est une page qui s'écrit. Rêve, ça serait d'ouvrir une voie en style alpin. Donc style alpin, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas trop, c'est en style léger. Ça veut dire qu'on part avec un petit sac à dos, on monte, et quand on arrive au sommet, on redescend. Aucune assistance, aucune oxygène, et on cherche quand même un itinéraire difficile, technique. Et moi, mon rêve, ouais, ça serait d'arriver à faire une voie comme ça sur un 8000, ouais. Et je connais déjà la voie et déjà le 8000, voilà, donc il ne reste plus qu'à s'entraîner, quoi. Cette réussite de l'ascension du K2 en hiver est évidemment une étape. Une étape commencée avec la première ascension hivernale de l'Everest. Donc là, on referme une petite partie de l'histoire. Mais bien évidemment que ce n'est pas la fin de l'histoire de l'himalayisme. Par exemple, il reste à gravir le K2 en hiver par une petite équipe en technique qu'on va appeler légère, qui sont dorénavant les techniques utilisées par les performeurs. Je ne serais pas étonné si dans quelques années, des équipes très réduites, sans utilisation d'oxygène et sans grosse équipe d'appui, réussissent de grandes performances. C'est ça, de notre point de vue alpinistique, l'avenir et ce qui nous impressionnera dans le futur. Il y a plein de choses qui sont encore possibles, peut-être plus, on va dire, dans les combos, hein, donc en mélangeant différentes activités. Moi, je l'ai déjà toujours fait en combinant le parapente avec mes ascensions. La magie, on va dire, de l'évolution du matos, c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre de faire des trucs très techniques avec un parapente dans le dos, ou avec des skis, ou avec, on a vu que le K2 a été skié il n'y a pas bien longtemps par un Russe. La jeunesse d'aujourd'hui, elle a encore de quoi nous faire rêver, et il y a plein d'idées à prendre. Alors, ce ne sera plus des classiques comme à l'ancienne, où on se mettait un objectif, un sommet. L'avenir est plus dans les combinaisons, soit les enchaînements, soit combiner différentes activités. L'automne prochain, on a un projet de skier le Dolagiri, qui est un des trois derniers 8000 qui n'a pas été skié. Donc voilà, on aimerait faire la première descente à ski du Dolagiri, qui est un 8000. Pour moi, personnellement, ça s'inscrit dans une démarche d'apprentissage de la haute altitude en vue de faire des choses plus techniques en haute altitude plus tard. Et on aimerait skier la voie normale du Dolagiri à l'automne. On n'est plus dans la période des héros de la montagne. On s'amuse. Il n'y a rien d'héroïque à prendre des risques ou à gravir une montagne. Hein. C'est un défi personnel. Et moi, personnellement, j'y vais pour essayer de m'amuser. Et voilà, donc on fait un peu du ski, un peu du parapente, un peu de la cascade de glace. On essaye d'inventer des nouveaux challenges. Et peut-être moins qu'avant d'être dans la pure souffrance et la pure douleur. Si on fait, si on suit l'éthique que les alpinistes sont donnés aujourd'hui, c'est-à-dire pas d'oxygène, pas de porteur d'altitude, pas de corde fixe, pas de camp tout le long de la paroi, ça devient un autre challenge. Et donc, c'est comme ça qu'on recule un peu les limites et qu'on innove. Chaque génération innove dans sa façon de réaliser ses grandes parois. Et ben, c'est ça qui est amusant. Et nous, alors quand on avec le temps, on regarde ce qui se passe derrière et on se dit waouh, ils sont forts. Et voilà. Et puis plus tard, dans 10 ans, 20 ans, ces mêmes jeunes vont se retourner et puis vont dire ah ben, il est encore plus fort que nous. Quels seront les challenges pour l'avenir? Il y a aussi la haute difficulté technique en style alpin, sur pas forcément les sommets les plus élevés, mais des belles lignes. Là, il y a encore énormément à faire, et notamment dans le Karakoram, où il y a le K2, donc c'est le massif, je dirais, le plus sauvage, au Pakistan et en Chine, où il y a les sommets les plus sauvages de la Terre. Il y a 4 sommets de 8000 mètres, hein, dont le principal est le K2, mais il y en a d'autres. Mais il y a une foultitude de sommets de plus de 7000. Ils ont été très peu faits, et il y a des faces extrêmement difficiles, hautes, difficiles, dangereuses. Plein, qui n'ont pas été faites. Aujourd'hui, on sait qu'avec un style, ce qu'on appelle d'ours, c'est avec des grosses équipes, des moyens, on arrive à peu près à tout faire. Donc là, le challenge, ben, c'est le style alpin sur des faces comme ça, qui sont extrêmement continues dans la difficulté, très hautes et dangereuses. Le K2, c'est une pyramide, hein, magnifique. Donc, il y a encore de quoi s'amuser si on veut aller sur les autres faces, sur la face tibétaine, sur tout plein d'autres itinéraires. Qui peuvent être, c'est à l'infini, ces records d'hivernal, de vitesse, de tout ce qui se fait actuellement, où on est vraiment toujours dans cette dynamique de toujours avoir une première. Je pense que c'est pas ça le moteur. Il y a encore plein de choses à faire et sur
plein de voies et plein de faces différentes.